Yesu semisanga mobali ozali nzambo ya kina lolengelo bato nyoso ba yela kati ozali nzambo ya kesa na kina bato undima kiope kola tanzoto weto koma moto bongozwa likambo na ngai tala tina nini ngala te kodeto la yo mo santo bato afandaka na lola andi makoso pa makila kolo l'adieu au visage, de regarder son visage et de le confier au visage de Dieu. Et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l'heure où disparaît ce visage qui nous est si cher. Accorde à Gerda de te voir face à face et affermis notre espérance de la revoir auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, écoute sans pitié. Ô Seigneur, écoute sans pitié. Maintenant que son regard ne peut plus lui croiser de d'autres, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Ô Seigneur, écoute. La joie d'aimer a illuminé sa vie. Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Ô Seigneur, écoute en pitié. Les larmes du chagrin ont obscurci ses yeux. Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Ô Seigneur, écoute en pitié. Elle attendait des jours de justice et de paix. Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Ô Seigneur, écoute en pitié. Elle a cru en toi sans t'avoir jamais vu.
Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Ô Seigneur, écoute-moi, pitié. De l'évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Seigneur, accorde à Gerda de pouvoir te voir face à face, de contempler ton visage, de se réjouir de la vie éternelle que tu lui donnes. Et viens aussi consoler, Seigneur, tous ceux qui sont dans la peine. Nous croyons que tu es là, que tu es puissant, que tu entends notre paix. Accorde-nous le Saint-Esprit, Seigneur. Viens répandre le Saint-Esprit dans notre famille, notre assemblée. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, tu veux conduire jusqu'en leur demeure éternelle tous les enfants que le Père t'a donnés. Gerda quitte la terre où elle a vécu. Prends-la avec toi dans ton éternité, nous t'en prions. Et nous qui restons sur cette terre, donne-nous de marcher vers le royaume où tu nous prépares une place, toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et voilà dit lundi, pour finalité dit la sambi dit la, et voilà dit lundi. À Gerda, notre sœur, notre fille, notre amie, notre collègue et notre connaissance, en dépit de ton courage, de ta pugnacité, de ta bravoure, le destin en a décidé autrement. Toutes les personnes qui t'ont connu, qui ont croisé ta route, retiendront de toi
que tu étais une belle personne, car tu étais toujours souriante, très sociable, pleine d'amour pour les autres, très proche des gens, de tous les membres de ta famille, des amis et des connaissances. Ton attitude très conciliante faisait de toi une personne de confiance à qui on pouvait se confier. Toujours disponible et prête pour apporter ton aide à celles et ceux qui étaient autour de toi. Tu avais toujours des propos agréables et adaptés pour chacune et chacun d'entre nous, même quand tu traversais des moments un peu difficiles. Jamais tu ne te plaignais, bien au contraire. Tu étais courageuse, dynamique, ambitieuse, gardant toujours une foi inébranlable en Dieu. L'intégrité, la bienveillance sont des valeurs auxquelles tu étais attachée. Gerda, ton départ laisse un vide qui sera difficile à combler. Tant tu étais unique et le point focal pour nombreux d'entre nous. Nous, tes parents, frères, sœurs, pères, mères, collègues, amis et connaissances qui t'avons tant aimé et chéri, nous te demandons de nous donner la force, le courage pour faire face à cette dure épreuve que nous traversons aujourd'hui et traverserons dans les prochaines semaines. Donne-nous ce courage pour continuer à vivre dorénavant sans ta présence à nos côtés. Gerda, sache que jamais nous ne t'oublierons, jamais, jamais. Enfin, de toute ta vie entière, de par ta personnalité, tu nous as donné une leçon de vie qu'on pourrait résumer en ces termes. Aimons-nous les uns les autres comme Gerda nous a aimés. Amen. Merci. Yeah.
Okay.
Zambia.